les cris de joie et de victoire. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'Anne est là? Is Anne wrong? Anne. Est-ce que le frère Traillé est là? Is brother Traillé around? Est-ce que le frère Ori est là? Is brother Ori around? Venez nous dire ce que vous avez vu à Dabou. Come and tell us what you saw there. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Ernest Traillé, disciple du pasteur Meunier, ministre assistant du pasteur Meunier dans le domaine de la délivrance. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour les merveilles que le Seigneur Jésus a opérées à Dabou. Et nous sommes partis pour soutenir le pasteur dans le cadre de la délivrance. Et nous étions très nombreux au niveau de l'équipe, près de 11 personnes. Et on devrait s'entretenir avec l'équipe de délivrance de la région des Grands Ponts. La soirée du jeudi, on n'a pas pu. C'est pratiquement le vendredi matin que nous avons eu cette séance de travail avec les frères. Donc le pasteur devrait arriver, ou la rencontre devrait commencer vendredi soir. Nous avons commencé les ministères le matin. Vendredi matin, on a pu faire cette délivrance rapidement, les personnes qui étaient déjà prêtes. Un frère qui s'appelle Atialé Jacob, à qui nous avons rendu ministère, qui avait un problème au niveau de sa poitrine. Il avait une douleur au niveau de la poitrine et la douleur sortait par le dos. C'était suite à un rêve dans lequel on avait tiré sur lui. Et il s'est réveillé. Donc il traînait cette douleur. Il faut dire qu'au passage, il y avait un problème au niveau de l'héritage. Et il y avait une tante, on peut dire la cousine à son père, qui avait pris l'héritage de son papa. Donc le frère revendiquait l'héritage. Et finalement, c'est à son grand frère que cette cousine à son père a confié l'héritage. Et le frère avait très mal, il avait la haine, la rancune contre cette tante-là. Après le ministère et après avoir traité le problème de guérison intérieure, pendant que nous étions en train de bénir le frère, il dit qu'il sentait une fumée qui sortait de sa poitrine. Il voyait ça comme une vision, une fumée qui sortait. Et après la bénédiction, la douleur a disparu, il a été délivré. Il a rendu le témoignage pour les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Après le frère Asialé, c'était une sœur, Fatima. Elle a même rendu le témoignage dimanche. Il faut dire, elle n'avait jamais connu de joie. C'était très difficile. La mine serrée. Elle a été maltraitée déjà à bas âge et elle souffrait. Dieu, dans son amour, a permis qu'au niveau des études, elle s'en sorte, puisqu'elle est professeure d'anglais. Mais mariée, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. La sœur rendait le témoignage que même pour venir à la sorde à Abidjan, des fois, elle était obligée d'emprunter de l'argent à ses collègues, soit 500 francs. Et si elle venait et que les virements n'étaient pas faits, puisqu'il n'y avait pas de retour, elle restait des fois à Abidjan pour demander soit à ses collègues de lui envoyer des Orange Money avec lesquels elle pouvait repartir sur Dabou. L'un dans l'autre, c'était très difficile. Dans le foyer, les enfants étaient régulièrement malades. Il n'y avait pas des fois l'entente entre elle et puis monsieur. Le sac de riz, le 15 même du mois n'arrivait pas. Le sac de riz qu'on prend le premier, déjà vers 10-5, le sac de riz est fini. Donc c'était difficile, l'air, la boîte de lait, c'était même chose. Le sucre, pareil. Difficile pour joindre les deux bouts. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui a pitié de ses enfants, après qu'elle ait donné sa vie à Jésus, le frère qui allait annoncer l'évangile
Elle et son mari se moquaient du frère. Parce qu'elle se disait que mais celui-là, il n'a rien à faire. Pour venir chez les voisins, le frère profitait pour arriver dans leur cour pour leur annoncer l'évangile. Et elle et son mari disaient comme ça, mais si c'est son travail qui est devenu un bonjour, alors là, c'est bien. Comment un monsieur comme ça n'a pas d'autre chose à faire si ce n'est que venir nous dire bonjour chaque jour? Oh, Dieu était en train de travailler. Un jour, elle-même, elle a pris la décision pour dire, attends, celui qui vient ici nous dit bonjour, ce qu'il vient nous annoncer comme évangile, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas non plus aller chez un marabout. Il parle de Jésus. Et c'est ce Jésus-là que nous cherchons. C'est vrai, nous partons dans une autre communauté, mais depuis que nous regardons notre situation, les choses n'avancent pas. Pourquoi ne pas essayer là où il est? C'est comme ça que Dieu avait commencé à travailler. Et après la repentance, après le baptême, ils ont fait le brisement des liens, elle et son époux. Après le brisement des liens, elle fait un son dans lequel elle voit une vision. Dans la vision, Dieu ouvre son esprit. Et chez elle, à la maison, il y avait une foule de personnes qui habitaient avec elle à la maison. Pourtant, elles ne sont que 5 personnes. Mais c'est comme une ville. Des vieillards, des boiteux, des enfants, des infirmes, toutes sortes de personnes vivaient dans la maison. Et le Seigneur lui dit, mais si toutes ces personnes sont dans ta maison, comment le sac de riz peut arriver jusqu'au 31? Comment la boîte de lait peut suffire? Comment le sucre peut suffire? Et elle entendit une voix qui lui disait, laisse, je vais les chasser. Et quelqu'un est descendu dans une tunique blanche et la personne a commencé, sortez de cette maison! Allez, la foule est sortie de la maison. Jésus-Christ. Depuis ce jour, plus de maladies chez les enfants. Plus de querelles entre elle et son époux. Le sac de riz, ça ne finit même plus et puis le mois fini. Délivré authentiquement. Le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre. Dieu a continué à travailler. Un frère qui était le fils des 5 générations de féticheurs, le frère Silas. Il était l'héritier de son père. 5 générations de féticheurs. C'était très difficile. Quand il a donné sa vie à Jésus, Dieu va maintenant parachever sa délivrance. Il fait un songe dans lequel, après avoir fait évidemment la repentance, le baptême et le brisement des liens, un songe dans lequel Dieu l'a transporté au village. Il a vu une vision, il était dans son village. Et il a vu son père qui était avec un caleçon rouge, qui était avec les vieillards du village. Le vieux avait une queue d'un animal. Il n'a pas pu bien discerner si c'était la queue d'un cheval ou bien d'un bœuf. Mais c'était la queue d'un animal. Et le vieux agitait cette queue. Et il a vu un masque géant. Les masques qu'on retrouve chez les gens de l'Ouest, les Yakuba, c'était un masque échassier. Et ce masque dansait. Et le père faisait des incantations. Et il entend une voix qui lui dit, voici ce que les parents ont adoré. Voici comment, de génération en génération, toi et puis tes parents, vous êtes des féticheurs. Il entend une voix qui lui dit, je vais mettre fin maintenant. Il était arrêté et dans la vision, un éclair est quitté du ciel, a frappé le masque. Le masque est tombé et le masque a commencé à brûler. Pendant que le masque brûlait, au fur et à mesure, il voit au niveau de la tête du masque, un petit garçon qui sortait de la tête du masque. Il regarde très bien ce petit garçon, c'est qui? C'était lui qui était dans la tête du masque. Torse nu, quand il est sorti, il voulait partir. Après, une voix lui a dit, non, ce sont tes bénédictions qui sont en train de brûler. Viens, éteins le feu et récupère tes bénédictions. Il a rebroussé chemin, il est revenu, il a réussi à éteindre le feu, il a ramassé toutes tes bénédictions et il s'est réveillé.
Depuis ce jour, il n'a plus jamais été le même. Délivré authentiquement. Et il rendait grâce à Dieu. Il rendait ce témoignage avec vie et avec action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu. À notre niveau, la nuit du vendredi... Une minute. Comme le frère dit à d'autres niveaux, c'est que les témoignages que nous venons d'entendre sont le résultat du travail des missionnaires. C'est-à-dire, cette délivrance opère à travers l'obéissance à notre message. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça montre que l'œuvre dans les champs de mission est vivante. Oui, vas-y. La nuit du vendredi, parce qu'il y a eu un grand vent, vous avez un peu vu le vent à Abidjan ici. On n'avait plus de lumière, mais Dieu a conduit son serviteur. Parce qu'il devrait prendre la parole vendredi nuit. Aux environs de 17h, c'est là qu'il y a eu la pluie et puis le grand vent. Tout Dabou était dans le noir. Les frères nous ont fait savoir, même Jacquesville était dans le noir. 20h passées. Et je disais aux frères, prions. Même dans le noir, il faut que le dirigeant, le pasteur arrive. Même si c'est une seule âme qui doit donner sa vie à Jésus, frère, Dieu nous a exaucés. Et comme nous le connaissons, ce n'est pas l'obscurité qui peut empêcher le pasteur. On était là aux environs de 22h, 22h30. On attend, on le voit venir. Même dans le noir, la voiture a garé. Et la foule l'attendait. Un court message. Il lance l'appel. 83 âmes ont donné leur vie à Jésus. Jésus-Christ. Sans micro. Sans micro. Nous étions dans le noir. C'est avec les lumières des téléphones qu'on a éclairé. Et il y avait juste un petit projecteur là qui essayait d'éclairer. Mais nous étions pratiquement dans le noir. Mais le Seigneur est merveilleux. Il y a eu plein de témoignages, comme les frères attendent. Dieu a continué à travailler. Cette même nuit, nous avons prié pour une dame qui était dans la grande salle, dans le foyer. Le frère qui m'a appelé au téléphone, parce que la soeur a commencé à se tordre de douleur. C'était elle et puis sa mère. Quand je suis arrivé, quand j'ai répondu au téléphone, quand je suis arrivé, le frère me faisait savoir que cette soeur-ci, à partir de 22h, elle doit souffrir des douleurs au niveau du ventre et les douleurs doivent s'arrêter à 6h00. Ça fait un an, un mois qu'elle souffre de cette douleur. J'ai dit, mais dis donc. On n'a même pas cherché à réfléchir. La nuit dans le noir, comment tu peux faire brisement des liens? Nous avons commandé que les démons partent. Les démons se sont manifestés. Les démons sont partis. Jésus a délivré. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher. On lui pose la question, est-ce que tu as des mots encore? Elle dit, non, c'est fini. Samedi, pendant la louange, elle a dansé. Elle a dansé. La même nuit, quand on a fini chez elle, pendant qu'elle marchait, le frère me dit, voici sa mère. Ça fait aussi un mois, une semaine qu'elle est paralysée, elle ne peut pas marcher. J'ai dit, bon, envoyez-la. Ces deux personnes, le frère a soulevé la main, le frère a mis son bras droit au niveau de ses deux pieds, l'a soulevé avec l'aide d'un autre frère. Ils sont venus la déposer sur la chaise. Nous avons commandé. L'esprit de paralysie est parti, la mère s'est levée, elle a marché. Ce Dieu est descendu à Dabou. Mes yeux se sont grandement ouverts sur deux aspects. Nous sommes partis à Dabou, nous sommes arrivés aux environs de 18h le samedi. J'ai écouté le témoignage de la sœur Fatima et plusieurs autres. J'ai été frappé par le témoignage de la sœur. Frère, si tu es pauvre, c'est toi-même. Si tu es pauvre, c'est toi-même. Parce que le Seigneur a tout donné. J'ai compris que Dieu a béni le pasteur Meunier d'une manière exceptionnelle. Frère, le brisement des liens là, ne joue pas avec. Dites amen. Amen. Quand je suis arrivé en écoutant ce témoignage, nous étions en train de prier à Macro hier. J'ai dit au frère, j'ai raconté le témoignage de façon claire. Et je leur ai dit, chassons tous ceux qui sont dans nos maisons, les pierres là. Nous ne nous amusons plus.
Peut-être que chez toi à la maison, il y a des gens qui sont avec toi, ils sont en train de bouffer tout. Même le lait, les gens suçaient comme ça. Le lait. J'ai compris que c'est une arme efficace entre nos mains. Frère, nous avons commencé à bombarder. Vous aurez le témoignage. Il y a un frère, il est venu aujourd'hui chez moi. J'ai dit, mais frère, tu t'amuses. Nous avons toutes les armes. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai raconté l'histoire de Fatima. Il a dit, Donc c'est comme ça. Il était révolté contre le diable. Il dit, c'est la première fois qu'il entend que donc il y a des gens dans la maison. Où est des révélations, des choses incroyables. Dieu a béni notre ministère. Donc si tu es de la salle, que tu deviens pauvre, c'est toi. On a le brisement des liens. On a le renversement des principautés. On a le don à Dieu. Pourquoi tu vas devenir pauvre? Dis, je suis riche. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que le missionnaire parlait, j'ai envie d'aller vite à Dieu, quoi. J'ai failli même dire, parce que le temps passe, que je vais 100 personnes qui vont s'aligner, 10 000, 10 000. Mais je vous laisse. Le dimanche, le Seigneur nous a utilisés. Alléluia. Nous étions avec le pasteur Mini, l'ancien Lombé, et les autres étaient à Dalwa, et nos gagnants et puis Divo. Dieu nous a aidés. Et comme disait l'ancien de Gonzague, nous avons appelé 5 personnes qui devaient venir donner 200 000 sur le champ. Finalement, les gens se sont alignés. Nous avons eu 30 personnes qui ont donné 200 000 francs. Et les frères couraient pour venir donner. Les frères couraient. Cela veut dire que quoi? Les frères ont saisi le fardeau d'Athée, quoi? Les frères de l'intérieur. Peut-être que toi, tu dois encore. Il faut dormir seulement. Donc. Je voulais t'exhorter, frère. Si tu n'as pas encore planifié pour donner à Dieu d'une manière sacrificielle au niveau d'Athée, quoi, il faut le faire rapidement. L'ancien doyen nous a rendu un témoignage. Je serai bref. Je vais finir avec ce témoignage. Il a dit, c'était la nuit de prière du mardi. Ça m'a vraiment édifié. Parce que nous voulons aller vite. Où est le témoignage? Si nous sommes des milliers sur le champ, peut-être que quand il y aura même des moments où Dieu va faire descendre l'argent comme ça. Tu vois dans ta poche, tu as donné, puis après c'est rempli. Tu veux venir témoigner? Il a rendu le témoignage. Amen. C'est amen. Les gens ne croient pas. Le pasteur nous a rendu le témoignage du frère Zach qui a trouvé des nouveaux biais. Alléluia. Elle a décidé de donner. Si tu veux donner, tu viens donner. Pendant que je parle, viens donner. Tu verras ce que le Seigneur va faire. L'ancien doit s'être rendu témoin. Il a dit que j'ai décidé, moi et mon épouse et les enfants, que nous allons donner, lui par exemple, il décide que ce mois-ci, tout son salaire, il ne prend rien dedans, tu es quoi direct. Le mois prochain, ce sera le tour de sa femme. Ainsi de suite. Parce qu'ils ne sont pas en train de s'amuser. Il faut t'amuser seulement. Que le Seigneur bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Je suis le frère Henri Casimir, disciple du pasteur Meunier. J'ai eu à cœur d'accompagner le pasteur dans les différentes missions de convention. Alors, ce qui m'a marqué à Dabou, c'était la présence de Dieu. Dieu était vraiment présent. Nous qui étions dans le groupe de brisement des liens, aucun démon ne nous résistait. C'est-à-dire que quand il y a une manifestation, alléluia. Quand il y a une manifestation, qu'on prend la personne, on ne fait pas plus de 10 minutes avec elle. Le démon, il résiste un peu et puis il s'en va. Et donc, Dieu a vraiment travaillé, la présence de Dieu était vraiment manifeste. Et ce que je souhaiterais voir même, j'ai vu ça, les miracles et les prodiges.
La nuit de samedi, on a prié, on a prié. Et le dimanche, il y avait des gens sur lesquels on a prié, qui avaient des cannes, qui marchaient des cannes, qui étaient boiteux. Et le dimanche, pendant qu'on dansait, ils venaient danser, mais sans les cannes. Offrande d'acclamation. Clap offering. Alléluia. Et ce qui m'a paru vraiment extraordinaire dans ça, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, parce que quand on finit de, le pasteur finit de prêcher et qu'on finit de prier, qu'il s'en va, nous on reste. On peut rester de minuit jusqu'à 5 à 6 heures du matin. Et donc, il y a une personne, une âme qui était vraiment très malade. Très malade. C'est-à-dire quand tu la touches, c'est des os que tu touches. Et je lui ai demandé, tu es malade? Elle dit oui. Il dit, tu as quel problème? Elle dit, j'ai un mal de ventre terrible que je n'arrive pas à manger. Et j'ai fait le brisement des liens. Quand j'ai fini de faire le brisement des liens, le Seigneur m'a mis à cœur de chasser l'esprit de maladie. Et j'ai prié. Science tenante, il a dit, tu as mal? Elle dit, non, c'est fini. Où je suis là, dans mon corps, tout est normal. Offrande d'acclamation. Clap offering. Alléluia. Autre chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a convaincu que je suis au bon endroit. Frère, Dieu nous a bénis avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ouin. Alléluia. J'ai dit, ses prédications, ses prières étaient très spirituelles. Les prières étaient révélées. Et un témoignage à ce sujet, dans ces derniers temps, je passe un moment... un mauvais vent au travail. Le président de l'institution où je travaille, sa volonté là, il n'a qu'à trouver une faute pour me renvoyer. Et c'est un collègue, bon, ils sont un nombre de quatre et ils sont d'une même région. Donc ils se coalisent contre moi. Il y a un même qui est chargé de m'énerver. Il m'insulte, il me traite de minable, de faux type de... Et c'est extraordinaire parce que ça ne s'est jamais vu dans une structure. Aussi une suite de l'État. Et donc, le pasteur Dabou, pendant qu'on priait, il a dit dans la Bible, frayez, et laissez passer le peuple de Dieu. Et que nous, on ne tue pas les sorciers, mais tous ceux qui sont des sorciers qui nous attaquent, ils n'ont qu'à dégager de nos chemins. Et pendant la prière, il a décrit. Je vous dis qu'il a décrit exactement ce qui s'est passé dans mon travail. Que oui, ton patron, à cause de sa position, il t'oppresse. Ton collègue t'insulte. Eh bien, ça, c'est beau, ça. Jésus-Christ. Jesus. Alléluia. Et quand on a fini de prier, ce matin, je suis arrivé au travail. On a eu une réunion. Et le monsieur, il est devenu calme, il me regarde et puis il est calme. Il ne dit plus rien. Alléluia. Le président m'appelle. Quand il m'a appelé, mon cœur battait. Il dit, là, ça là, c'est bon. Puis la suite de Dieu m'a dit, non, tu es dans la victoire. Je suis parti. Ce qu'il est retenu dans toute la causerie, il dit, non, tu n'es pas responsable de beaucoup de choses. Tu n'es pas toujours fautif de tout. Non, laisse ça. On n'est pas... Alléluia. Donc, la prière qu'on a faite là-bas, ça a eu un impact sur ma vie. Amen. Et je vous assure, frère, que je suis en train de prier pour être à Korogo aussi, avec toute ma famille. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus-Christ. Jesus. Le travail à faire est grand. The work to be done is great. C'est-à-dire, la proclamation de l'Évangile est un grand travail. That is, the proclamation of the gospel is a great work. Nous avons besoin d'une paix total. We need a total peace. L'entreprise de l'évangile ne peut pas prospérer dans le désordre. The enterprise of the gospel cannot prosper in disorder. L'évangile a besoin d'une paix profonde dans les familles, une paix profonde dans l'église, une paix profonde dans le monde, dans la nation. The gospel needs a deep peace in the world, in the families, and in the nations.
La paix est définie souvent comme l'absence de guerre. Sometimes people define peace as the absence of war. Comme une cessation de l'état de guerre. As the end of the state of war. Entre les belligérants. Between the opponents. La paix aussi l'état de concorde. The peace is also the state of d'entente, de concorde. The state of understanding. C'est l'absence de lutte, de lutte sociale. It is the end of social fights. L'absence de troubles sociaux. C'est la tranquillité, c'est le calme, c'est le repos. It is tranquility, quietness and rest. Des vertus qui gardent l'âme. The virtues that keep the soul. Dans une profonde sécurité. In a deep security. Sans inquiétude, sans frayeur. Without worry, without fright. Sans angoisse. Without anguish. Nous devons annoncer l'évangile. We must proclaim the gospel. Nous devons sauver les âmes. We must save souls. En leur donnant Jésus-Christ. By giving them Jesus. Pour que l'évangile puisse porter des fruits, for the gospel to bear fruit, il faut qu'une paix totale règne dans la nation. There should be a total peace in the nation. Il faut que la paix de Dieu règne dans toutes les familles. The peace of God must reign in all the families. Il faut que les conflits internes et externes à l'Église soient effacés. The internal and external conflicts in the church must be wiped away. Parce que les conflits dans l'Église, because the conflicts in the church, sont des facteurs de blocage. Are factors of blockage. Sont des grands facteurs de déstabilisation. Are great factors of destabilization. Les premiers disciples, the first disciples, c'est-à-dire quand tu lis dans la Bible, that is when you read in the Bible, Acte 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 47, Acte 2, reading from verse 41 to 47, nous voyons que les premiers disciples avaient adopté un style de vie qui créait l'atmosphère de paix. We realize that the early disciples adopted a style, a kind of life that created the conditions for peace. Ils avaient tout en commun. They had all in common. Ils étaient dans le même lieu. They were living in the same place. Ils priaient ensemble. They prayed together. Ils écoutaient les enseignements ensemble. They listened to the teachings together. Ils partageaient leur repas avec simplicité de cœur. Avec joie et simplicité de cœur. They shared their food with joy and simplicity of heart. Quand il y a du désordre ou des conflits, on ne peut pas avoir tout en commun. When there is disorder or conflict, we cannot have all in common. Quand il y a le désordre, quand il y a des troubles, on ne peut pas avoir un projet commun. When there is disorder or trouble, we cannot have common project. Il faut tout faire. You must do all pour que dans chaque famille, so that in each family, il règne une paix totale. We can find a total peace. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Dès qu'une petite crise se signale, as soon as a little crisis signals itself, un petit désaccord, a little misunderstanding entre toi et ton mari, between you and your husband, ou entre toi et tes enfants, or between you and your children, ou entre toi et ton faiseur de disciples, or between you and your disciple maker, il faut maîtriser cette petite crise là. You must master that little crisis. Et puis, il faut l'éliminer. And it must be eliminated. Tu la maîtrises d'abord. You first of all master it. Et tu l'élimines. And you eliminate it. Tu n'alimentes pas la crise. Do not feed the crisis. Tu ne mets pas le carburant pour que ça s'enflamme davantage. You don't put fuel so that it gets on fire.
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand la crise n'est pas maîtrisée pour être gérée et éliminée, when the crisis is not mastered and eliminated, elle se transforme en conflit. It becomes a conflict. Si le conflit n'est pas maîtrisé et écrasé à ce niveau-là, if the conflict is not mastered and crushed at that level, il se transforme en guerre. It turns into war. C'est-à-dire, il va durer. It means that it will last. Et il devient meurtrier. C'est-à-dire, le conflit devient meurtrier. And it can become, it can create murders. Mais pour que la paix règne dans la nation, for peace to reign in a nation, nous devons restaurer systématiquement l'intercession pour la nation. We must systematically restore the intercession for the nation. C'est pour cette raison que j'ai défini la paix d'une façon élargie. That's why I defined peace in a wide way. C'est-à-dire touchant la nation, les individus, les foyers. That la is société. Touching the nation, individuals, households, and the society. Pour que chaque signification devienne un sujet de prière. So that each meaning becomes a prayer topic. Si tu dis que c'est l'absence de guerre, ça devient un sujet de prière, qu'il n'y ait pas de guerre. If you say that it is the absence of war, it therefore becomes a prayer topic. That is, you pray that there should not be any war. Si tu veux que c'est la cessation de l'état de guerre, tu pries que s'il y a un foyer qui est déjà en train de lutter, que ça s'arrête. If you define it as the end of the state of war, then you pray that if there is a conflict, I mean conflict somewhere, it should stop. Si tu vois que c'est la concorde, tu commences à intercéder pour que ce soit une expérience pour chacun. If you define it as an understanding, then you must start interceding so that it becomes the experience of each one. Tu comprends donc qu'il faut prier pour tous les hommes. You therefore understand that we must pray for all men. Ça commence. It starts demain. Start tomorrow. À midi. At midday. Ici. Here. Je serai là pour diriger. I will be there. I will be here to lead the prayer. Nous prions pour la nation. We pray for the nation. Mais ce n'est pas suffisant. But it's not enough. Il ne faut pas se séduire. Let us not deceive ourselves. Quand on lance un jeûne de 40 jours, when we launch a 40-day fasting, c'est pas tout le monde qui jeûne. It's not everybody that fasts. Certains prennent un jour et puis. Some people take one day and then. Il y en a qui disent je veux faire jusqu'à la fin. Some others say I will do it. Then they never do it up to the end and they do nothing. Ça fait que quand nous lançons une croisade, ils ne jeûnent pas. And when we launch a crusade, those people do not fast. Quand nous disons nous allons prier le mercredi, ils ne prient pas. When we say we're going to pray on Wednesdays, they don't pray. Et là, and there. C'est une dette. It's a debt. Lis pour nous 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Read for us 1 Timothy chapter 2 verse 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 8. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi
et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Therefore, I exhort, first of all, that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and a peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time, for which I was appointed a preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Amen. Quand tu pries pour une nation, when you pray for a nation, tu pries pour tous les hommes, you pray for all men, en commençant par les rois, starting by the kings, les présidents, the presidents, jusqu'au dernier citoyen, up to the last citizen. Ce n'est pas ça qui est difficile. It's not this which is ce qui est difficile, difficult. What is difficult, c'est qu'il faut le faire sans colère, is that you must do it without any wrath, sans mauvaise pensée, without evil thought, avec des mains pures, with pure hands. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Toi, tu es un intercesseur. So you are an intercessor. Tu demandes la vie. You ask life. Tu imposes la justice. You impose justice. Tu imposes la paix. You impose peace. Tu imposes la concorde. You impose understanding. Tu élimines tous les troubles. You eliminate all the troubles. Dieu exauce. God grants you. Avec le projet, avec l'entreprise de l'évangile, with the project or the enterprise of the gospel, nous ne pouvons rien réaliser dans un contexte de trouble. We cannot achieve anything in a context of trouble. Trouble dans la nation, trouble in the nation, trouble dans le foyer, trouble in a household, trouble dans les assemblées, trouble in assemblies. Et lisons ensemble Actes chapitre 9 verset 31. Let us read together Acts chapter 9 verse 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Acts 9 verse 31. Then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Vous voyez le rapport entre l'église, entre la croissance et la paix. You see the connection, the relation between growth and peace. L'église était en paix dans toute la Judée. The church was in peace in all Judea, la Galilée et la Samarie, Galilee and Samaria, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, and walking in the fear of the Lord, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, and in the comfort of the Holy Spirit they were multiplying. Parce que l'église était en paix, because the church was, il y avait la paix dans l'église, there was peace in the church, et il y avait la paix dans l'église dans les localités, and there was peace in the other localities. Dans la Judée, in Judea, il y avait la paix. There was peace. Dans la Galilée, in Galilee, il y avait la paix. There was peace. Dans la Samarie, in Samaria, il y avait la paix. There was peace. Et les églises qui existaient dans ces localités, and the churches that were in that locality, étaient en paix. Were all at peace. Le résultat, the result, la parole, the word, était proclamée. Was proclaimed. Et l'église, and the church, s'accroissait. Was multiplied. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur.
et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplying. Si tu travailles quelque part, if you work somewhere, à midi, at midday, tu appelles les frères qui sont dans le même secteur. You call the brethren that are in the same place. Vous priez. You pray. Le 1er janvier, the first, on the 1st of January, on commence 40 jours. We start 40 days. Et on continue avec les mercredis. And we continue with Wednesdays. Ça doit être la tradition. This must become a tradition. Si nous investissons de cette manière, nous aurons un pays où les desseins de Dieu peuvent se réaliser. If we invest in this way, we will have a nation where the purposes of God would be accomplished. Tout le monde veut la paix. Everybody wants peace. Même les païens. Even unbelievers. À combien plus fort raison les fils du Dieu très haut. How much more the sons of the Most High, qui ont des projets clairs, who have clear projects à réaliser, to realize. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous Jérémie 29 verset 7. Read for us Jeremiah 29 verse 7. Et nous allons arrêter là. Nous pourrons revenir sur ce thème la semaine prochaine. Jérémie chapitre 29 verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Jeremiah 29 verse 7. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. Amen. Si tu es dans un quartier, if you live in a quarter, prie que la paix règne dans ce quartier. Pray for peace to reign in that quarter. Si tu vis dans une nation, if you live in a nation, prie que la paix règne dans cette nation. Pray for peace to reign in that nation. Parce que ton bonheur, because your happiness, dépend du bonheur de cette nation. Depends on the happiness of that nation. S'il y a sécheresse maintenant, if there is drought now, et qu'il y a de l'eau qu'à Takoradi, et qu'il y a de l'eau qu'à Takoradi, and there is water in Takoradi, c'est-à-dire au Ghana, that is in Ghana, même le pasteur Meunier ira là-bas chercher de l'eau. Even Pastor Meunier will be going there to seek water, to fetch water. Même si tu es saint, even if you are a holy one, tu vas aller chercher de l'eau là-bas. You will go there to fetch water. Mais s'il y a de l'eau partout, but if there is water everywhere, on ne s'inquiète pas. You don't worry au sujet de l'eau. About water. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je voyais clairement que nous devons intercéder pour que Dieu nous permette d'accomplir les desseins de Dieu. I clearly saw that we should intercede so that the Lord will allow us to accomplish the purposes of God. Et Dieu nous exauce. God grants us. Quand tu pries, when you pray, la paix remplit ton cœur. Peace fills your heart. C'est-à-dire la prière, quelqu'un qui prie pour la paix se convertit facilement en celui qui procure la paix. Someone who prays for peace becomes easily turns into someone who into a peace giver. Tu verras que ton cœur devient bon. You will see that your heart becomes good. Et puis tu commences à l'imposer and, dans la nation. You start imposing it around you. Nous allons continuer la semaine prochaine. We will continue next week. Mais je vous donne un devoir. But I'm going to give you a test. Surtout les pasteurs. Above all the pastors, allez méditer dans Actes. Go and meditate in Acts. Chapitre 6. Chapter 6. Verset 1 à 6. Reading from verse 1 to 6. Qu'est-ce que vous allez rechercher? What are you going to seek? Comment les apôtres ont résolu une crise qui pouvait entraîner la division de la communauté? How the apostles solved a crisis which could lead to the
the division of the society. Et puis on se verra mardi prochain. And then next Tuesday we meet here.